Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Monster Sanctuary, c'est Chacal. Pour vous servir dans cette vidéo, comme d'habitude de Monster Sanctuary, pour votre plus grand plaisir. Donc j'ai relancé le jeu et ça y est, mon curseur est revenu. Donc du coup je n'aurai pas le même souci que l'épisode précédent, ce qui va grandement m'aider à être positif, je pense. Oui, nous voulions explorer cet endroit, sachant que les nonoïs là, ils sont un peu partout et qu'ils sont un peu vénères. Et j'ai regardé. Voilà, j'avais oublié de vous montrer ça lors de l'épisode précédent. Possibilité d'enregistrer ses équipes et oui Dream Team oui il y a possibilité d'enregistrer ses équipes et quand on est dans l'équipement on peut changer les monstres maintenant. Avant on pouvait pas si on pouvait bref je sais plus, enfin il y a des trucs qui ont changé tels que là voilà tout est bien rangé normalement. Équipement, voilà, changer d'équipe, compétences, charger d'équipe, voilà, équipe. Bon, du coup, c'est vrai que ça peut être bien quand même de pouvoir changer l'équipe comme ça. Bon. Moi pour le moment je m'en fous un peu. Je lance le combat. Pour le moment moi je m'en fous un peu. Tout ce qui m'importe clairement c'est de jouer avec mon curseur. non je déconne, c'est pas tout ce qui m'importe. Mais pour le moment ouais non, on est bien. On va level up cette équipe là, qui me paraît franchement pas mal. Ah oui, voilà, bonne idée Chacal, bonne idée. Un peu con des fois, un peu con. Ah oui, j'ai pris la meilleure équipe. Celle qui fait pas de feu. Non, celle qui fait que du feu, pardon. Ouais. Meilleure idée du monde. Font de la magie, c'est bien. S'ils font pas de dégâts magiques. C'est un peu con. C'est pas grave, on va s'en sortir, j'ai la foi. Dieu m'a donné la foi comme dirait l'autre. Je la sors tout le temps celle-là, faut vraiment que je change un peu mes idées. Enfin pas mes idées mais. Mes références, voilà. Non mais allez-y, butez-le moi, mais voilà, mais vous avez raison, il va pas gagner d'XP, il va encore tout le temps crever, mais vous avez raison, mais oui. Punaise, mais j'en ai marre, c'est un footballeur. Punaise, mais genre. Ça me gave, hein, j'ai des références vraiment. C'est plus possible, tout ça, c'est plus possible. Et il va mourir lui aussi! Punaise, finalement, il n'y a que Scar qui tient la route pour le moment. Quoi. Le moine Shaolin, il s'en prend plein la tronche. Le neneuil, là, il s'en prend plein la tronche. C'est pas possible. C'est pas possible, Tzoule, regarde. C'est vraiment de la merde, Tzoule. C'est catastrophique, Tzoule. J'en ai marre. Je fais l'accent québécois, mais je le fais très mal. Parce que je suis pas canadien, je suis pas québécois. Je suis ni l'un ni l'autre.
Alors, comprenez, c'est pas facile pour moi d'imiter. Allez, lequel va mourir? Eh ben les deux, bien évidemment. C'est une bonne idée. Et je vais perdre des sous. Et dans ce jeu, les sous, c'est pas ce qu'on gagne le plus facilement. Enfin, vite fait. Ah, j'en ai marre. Plein de cul. Ça parle mal. Vas-y. Claquer un truc phénix pour ça, quoi. Ça me trouve le train arrière. Ouais, ils ont monté de niveau, ouais. Oh, il est monté de niveau. Sans deck. Mais je croyais qu'il aurait pas de... Je pensais qu'il aurait pas d'expérience. Il était KO. Comment c'est possible qu'il gagne des niveaux? Les ennemis subissent 3% de dégâts supplémentaires par buff qui les... Par un buff qui les affecte, pardon. Tempête d'éclair, aura unique. Lorsqu'un ennemi subit des dégâts de foudre, debuff, 40% de chance de lui appliquer poison. Oh! Oh! C'est violent ça! J'aime bien! Du coup, tu feras full dégâts de foudre maintenant. Toi, tu dis quoi de beau? Toi, tu dis rien du tout. Toi, tu dis quoi de beau? Toi, tu dis rien du tout non plus. Eux, ils attendent le niveau 20. Lui aussi. Alors, je ferais bien le level up. Ah, je fais une pause. Admirer l'architecte des lieux, le donjon, la forteresse a été créée. Faire vivre dans les donjons. La plupart des monstres. L'habitude vient à eux en matière d'habitat. Ah, c'est vrai que je peux reprendre mes voix aussi. J'avais oublié. Parce que j'avais oublié que dans ce let's play, j'avais essayé, je dis bien essayé, de faire la narration. Sauf qu'il y a quelques lives où j'ai un peu baissé les bras. Donc, vu que maintenant c'est plus en live, je peux reprendre ma narration. Et comme ça, vous pourrez vous fendre la gueule aussi en m'écoutant. La bibliothèque devait se trouver quelque part, par là, les sous-égouts du donjon de la forteresse. Nous devrions nous séparer pour courir davantage de terrain dans ce labyrinthe. Je pars devant. Eh bah, pars devant, Bim, pars devant. Ah, j'avais oublié qu'il y avait du drama et tout ça, j'avais oublié. Oh, qu'est-ce que c'est? Au secours. Aidez-moi. Je me noie. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces égouts? Pourquoi ça lag? Ah! Le chacal va péter un plomb. Mais pourquoi il veut pas double sauter? Mais il est infernal! A few hours later. A few moments later. Ouais, non, mais là, ça lag, c'est pas possible! Option. Vidéo. Non, bah, seuil d'axe de gamepad. Non, vitesse de combat, non, langue, non. Et ben je ne sais pas. Non. Je vais m'énerver. Lui, je le sens, il va m'énerver. Lui, il va me gaver, attends. Et qu'est-ce que j'ai d'ouvert qui va pas que ça fait ça, ça, fait ça. Qu'est-ce que c'est que j'ai d'ouvert qui va pas? C'est pas ça. On va virer ça. Ça m'ennuierait de virer la...
de virer la comment? La musique. Là 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 là. Télécharge pas Steam. Non, bah non, il télécharge pas. Il télécharge que la nuit parce que je lui ai dit tu télécharges que la nuit, enfoiré. Sinon, il me fait tout bugger. Non, mais... Théoriquement, ça devrait aller mieux. Si j'enlève le... Non, ça vient bien du jeu en lui-même. Hein. Le jeu est pas énorme, mais il y a tellement de petites... Voilà. En fait, faut s'habituer au fait que ça lag, quoi. C'est infernal. Ok. Et coucou Billy! Et chacun! Hein, vous venez de la rater! Il y avait un monstre champion! Il avait l'air très menaçant avec son aura de champion. Et il me regardait fixement. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je l'ai dévié. Vous savez quoi? Et je l'ai battu! Et je suis tellement fier de mes monstres. Mais au moment où j'allais continuer, un autre champion est apparu. Exactement comme le premier. Sur ce, vous êtes arrivé, alors je me dis que vous pouvez vous occuper du deuxième. Allez-y, je vous regarde. Ah, c'est cool, merci. Ah, mais c'est un scarabée électrique. C'est un scarabée électrique. Alors s'il est électrique, aïe, qu'est-ce que je peux envoyer? Il me faut des boucliers. Lui, il me semble que c'est un bouclier. Compétence. Et il n'a pas les boucliers, évidemment. Bah non, il fait du dégât comme ça. Lui, il me semble qu'il fait du bouclier. Lui, il fait du bouclier. Là. Là. Là, il fait du bouclier. Et il est pas dégueu en défense. Donc lui, à mon avis, lui. Non. Ah, mais il a pas d'équipement. Mais s'il a pas d'équipement, mais Billy. Mais... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Lui, il fait des boucliers, lui? Le petit feu follet là, je ne sais plus. Le feu follet, il fait des boucliers. Mais je l'utilisais pas pendant un temps, lui. Ou alors c'était sur ma partie perso. Non, ça devait être sur ma partie perso. Le golem, qui fait des boucliers. Applique à tout le monde un bouclier. Ouais. Le golem, il fait des boucliers. Le pierreux, je crois, il fait des boucliers aussi. Non? Non. Les pieds. Casse les pieds. Hop. Voilà. Lui, il fait des boucliers, lui. Compétence. Lui il ne fait pas de bouclier, ok. Donc les quatre là, ils font des boucliers. Enfin, pas tellement lui. Lui il fait pas de bouclier. Lui. Non, lui il fait que l'attaque pure et dure, le Tengu. Le Tengu, je suis sûr, il y a moyen de le faire évoluer en samouraï ou je ne sais quoi. J'en suis sûr. Il y a tellement une tête de monstre à évoluer. Ah là 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 là. Le dilemme, hein. Le vrai dilemme, hein. Lui, il pourrait faire des boucliers si je l'avais fait un peu évoluer. Ah là 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 là. Bon, on a Yeti, je crois, qui fait du bouclier.
Bon, il fait pas vraiment du bouclier, mais il prend à la place des autres. Donc c'est déjà ça. Lui, il fait pas de bouclier non plus. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais qu'il pourrait faire du bouclier, mais je l'ai pas dans mon équipe. Grosse réflexion, mais bah, tant pis, on y va comme ça. Allez. Alors, niveau 19, il craint le sol. Non, il fait du sol, pardon. Il craint le vent. Non, il craint le sol et il fait du vent. Oh, ouais, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, du coup, idéalement, pardon, ma Dream Team devrait pouvoir le faire, Le problème, c'est que Scar, il va prendre Taïf. Folloy aussi. Ouais, bon. Bon, on va essayer quand même. On va la tenter. On va la tenter comme ça, l'attaque, là. On va bien voir ce que ça donne, après tout. Ok. Rien d'extraordinaire jusque-là, hein, mais... Illumination. D'accord. Voltage, ok, très bien. Pendant que en fond, on a... Solfice, Motoi Sakuraba, Ennemi Arsenal, Mission 2, sur Sharp X68000. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette console, je pense plutôt que c'est un émulateur, voyez-vous. Oh, il est empoisonné. Oh, pauvre Bate. Elle est empoisonnée. Je viens de me lancer dans un combat qui va durer une heure. Parce que là, on est déjà à 17 minutes. Ça, je sens que ça va pas le faire. Ça va finir à 25 minutes. Et puis, basta. Je pense. Alors, attends. Attends, parce que toi, hop, voilà. Oui, parce que sinon ça va me perturber d'avoir tous les trucs séparés comme ça là. Ok, le poison, ça lui fait un petit peu de dégâts. Ok, j'avais pas fait gaffe à la vie de mes monstres. Là, je viens de voir qu'il est à deux doigts de les buter. Comment dire que je suis pas très très rassuré. J'aurais dû en soigner un avant. De toute façon, le folloy, il va y passer, hein. Il est trop sensible. On va essayer de soigner Scar, on va bien voir ce que ça donne. Ça va, il attaque Scar tranquillement. Les rayons de charge sur mon leader, ok, très bien. Très très bien, il est un peu teuteux. C'est parfait. J'ai clairement pas bien géré ce combat. Je pense qu'il va très vite se finir sur un échec cuisant.
Voilà, Scar est mort, donc c'est foutu. Parce que je vais pas m'amuser à le réanimer et perdre un tour gratuitement. Et un objet aussi au passage. Hein. Parce que là... Oh là 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 là. Ça s'annonce compliqué. Hein. Ça s'annonce très compliqué. Parce que le moine healer, c'est pas mal. Hein. Mais le folloy, c'est un mob, ouais, comme Fifi me disait, mais pourquoi tu t'embêtes avec lui? Pourquoi tu t'embêtes avec le folloy? Mais parce que j'aime bien le folloy, il a une bonne bouille. Je veux qu'il aille loin, ce mob. Aïe, 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 aïe. Allez, folloy. Vas-y, défonce-le. Si mon healer il prend un dégât, je suis dans le pétrin, je pense. Et je vais l'avoir grâce au poison qu'il a sur lui. C'est infernal comme truc. C'est le combat du siècle. Enfin, j'exagère la chose parce que c'est pas le combat du siècle, il y aura bien pire. Mais là pour le début de la série, mais c'est infernal. Mon folloy qui prend des dégâts mais qui persiste et signe. Et le healer, pareil. Et là du coup, voilà. Bon, victoire. Et ben, ce sera sur cette victoire qu'on va finir l'épisode. J'espère que cette action vous aura plu. Et on voit que je gagne un rang. Vous avez atteint le rang chercheur gardien. Nouveaux objets disponibles chez les marchands. Arène infinie disponible à la tour des gardiens. Et donc du coup, et ben vous aurez la suite lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester. Que ce soit dans les commentaires, dans le pouce en l'air, sur le Discord de la Glory Hall que je mettrai dans la description en lien. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des copains aussi. Et puis voilà, rejoignez-nous sur le Discord si vous avez envie de blablater, de délirer, bref, voilà, voilà. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine, et qui sait, peut-être que j'aurai une nouvelle équipe pour l'épisode prochain. Allez, des bisous, et à bientôt, c'était Chacal, pour votre plus grand plaisir. Ciao !